Alors, c'est pas systématique. Un fumeur sur trois ne prend pas de poids à l'arrêt du tabac. Parmi les fumeurs qui ne prennent pas de poids, ce sont surtout les fumeurs qui ont une substitution nicotinique adaptée et ceux qui ont repris une activité physique. Faut savoir que la nicotine est un coupe-faim. Donc à partir du moment où vous allez être en manque de nicotine, votre appétit va augmenter et vous pourrez même avoir des fringales. C'est ça qui explique la prise de poids. Pour l'éviter, le mieux c'est de mettre des substituts nicotiniques qui éviteront le manque en nicotine justement. L'autre facteur de prise de poids, c'est que lorsque vous fumez un paquet par jour, vous brûlez 200 calories en plus. En arrêtant de fumer, vous ne brûlerez plus ces 200 calories. Donc comme je vous l'ai dit, pour maintenir votre poids, le mieux est d'éviter les fringales et donc d'utiliser une substitution nicotinique. Vous pouvez aussi reprendre une activité physique de manière simple. Par exemple, si vous prenez les escaliers, vous brûlerez 7 fois plus de calories que si vous prenez l'ascenseur. Avec votre podomètre, vous pouvez vous fixer comme objectif d'augmenter votre nombre de pas. Vous pouvez par exemple descendre un arrêt plus tôt dans les transports en commun, vous garer un peu plus loin. Tout ça, ça va être possible parce que en arrêtant de fumer, vous allez retrouver de l'énergie. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à contacter Tabac Info Service. Des conseillers vous répondront sur vos questions nutritionnelles.